Yo, what up, Ralph? Comment tu vas, comment tu t'amuses? Comment ça va? Ça va super bien, messieurs, ça va super bien. Yo, c'est un lovely day aujourd'hui, là. Yo. Oh, mon Dieu, c'est fou. Température A1. Amazing, amazing. Les gens, ils look sharp, sont clean. Non, ils sont vraiment nice. Le swag, là, honnêtement, là, c'est la grosse malle en ce moment, là. J'adore, j'adore, et puis j'aimerais dire happy birthday, lovely, pour de vraies belles soirées. Happy birthday. Happy birthday. Belle journée, belle journée. Je peux pas, dire... quoi que ce soit. Et aussi Kenol, le Geek Squad. Ah, right. Kenol. Geek Squad. Ah, Geek Squad. Il fait une grosse job, là. Vraiment une grosse job, J'adore ça, les gars. Il faut le dire, là. Il travaille fort derrière, là. Ouais, puis on l'avait juste dernièrement en plus. Puis là, on est ici. Je suis comme nice. The love is there. Ouais. Puis je pense que le plus qu'on peut expandre le message, la voix de qu'est-ce qu'on fait, nos activités, nos actions, c'est quoi notre objectif derrière ça? On va s'en aller quelque part collectivement. Exactement. Et bienvenue à Yellow Sea Podcast. On nous a recommandé que tu sois là. Oh, wow! Ah, on okay. Me dit, on me dit, tu vas pas closer le podcast si t'es pas avec Raph. Yo, yo, Raph, c'est le maître. Raph, parle-nous un peu de toi parce que nous, on te connaît pas, mais on sait que t'as une belle histoire. All right. Parce qu'on on nous a dit que quelqu'un, son père, déposait la porte devant chez toi pour qu'il aille chez vous. C'est vrai, c'est vrai. So, ouais. Explique-nous un peu, gauche-droite, pour que le monde puisse apprendre à te connaître. Bon, d'un, moi, c'est Raph, justement. Je suis le CEO de Belle Garçon Entertainment. Belle Garçon Entertainment, guys. T'as-tu Instagram, Facebook? Exactement, Instagram, Facebook. De Belle Garçon _ENT. All right, so Belle Garçon, c'est BELGARCON _ENT. All right, alors comme ça, vous pouvez nous rejoindre. Belle Garçon, c'est quoi au juste? C'est vraiment simple, c'est... Bonne fête, lovely. Bonne fête, lovely. Yeah, le dessert s'en vient ou quoi? Ouais, le gâteau, là. Vas-y. OK, exactement. Puis, attends-moi un instant. Joyeux anniversaire! Ouais! Shout out, Anne Lovely. Anne Lovely. Alors, right. Love, c'est quelqu'un qui est nice. All right, so, dans le fond, Belle Garçon, comment ça s'est parti? C'est, en étant jeune, victime d'intimidation. Alors, j'ai décidé de partir la compagnie Belle Garçon, qui veut dire que no matter what, comme si au niveau physique, mental, whatever, tu dois être bien dans ta peau. Alors, j'ai parti le brand Je suis Belle Garçon, Je suis Belle Femme. Beaucoup de nos femmes subissent beaucoup de... au niveau de la physique, au niveau mental, qui sont laissées de côté. Alors, tout ça, mon équipe, Stéphane Saint-Méran et Hensley, bien-aimé, on s'est mis tous ensemble pour partir en brand Belle Garçon, qui aujourd'hui, depuis 2014, fait beaucoup, 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 beaucoup pour la communauté. Et puis, aujourd'hui, j'en suis très fier de qu'est-ce que j'ai accompli. Et puis, comme on vient de voir ici, Marc, qui vient de passer derrière moi, eh bien, Marc a vu le cheminement de A à Z, de comment que j'ai grow up et puis comment que aujourd'hui je suis très fier et puis très impliqué dans la communauté. Voilà. Nice. Puis fait qu'est-ce que vous êtes en aidant les personnes, c'est quoi les activités que vous faites comme pour vraiment aider ces personnes qui ont passé par l'intimidation ou qui ont besoin vraiment d'une relève ou une... Mais dans le fond, qu'est-ce que j'ai commencé, c'est que pour de vrai, j'ai fait des événements. Puis par la suite, eh bien, on a ouvert une compagnie de branding, clothing. Alors, les gens peuvent aller sur le site Belle Garçon, BELGARCON clothing, CLOUTHING.com. Ils peuvent se procurer le chandail Belle Garçon ou Belle Femme. Et nous avons également offre $1 pour chaque achat à la Fondation 1804 pour la réussite des jeunes. Nice. Alors, on redonne à la communauté et puis on a des projets qui s'en viennent, dont donner au suivant. Et puis par la suite, eh bien, vous avez ce monsieur-là ici, monsieur Renzel Washington. Il voulait passer incognito, man. Il ne peut pas passer incognito. Impossible. On me dit que tes projets... C'est le prochain. Dans le vibes. Et puis, alors, justement, M. Renzel m'a beaucoup aidé dans les projets qu'on va aboutir pour le mois de septembre. Alors, voilà,
on continue à grossir, on continue à être plus impliqué dans la compagnie. Puis, dis-nous, c'est quoi tes plus gros défis derrière ça? Moi, mon plus gros défi, vraiment, c'est de reconnaître que faire le bien aux gens. C'est ça notre but. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont le sentiment, tu sais, qu'ils ont une tristesse, ils ont une faiblesse, mais ils ne veulent pas manifester cette faiblesse-là. Puis nous, on pousse les gens à sortir de ça. Sortir c'est comme... la vulnérabilité des personnes. Et voilà. Parce que tout le monde a comme... Puis je trouve que c'est intéressant ce point-là parce que dans les médias sociaux, tout le monde est parfait, tout le monde est 100%. Mais personne, tu vois, le côté obscur qu'on devrait discuter plus parce qu'on passe tous par des mauvaises périodes, par des mauvais moments. Puis si on ne sait pas comment une personne se sent, comment elle est sortie de là, comment on peut savoir corriger ça pour l'autre personne? Et voilà. Puis tu sais, sur les réseaux sociaux, on va voir des gens que... On voit les photos, on voit les vidéos, puis tu penses que tout semble être correct, mais c'est pas vrai. Parce qu'à l'intérieur de la personne, il y en a que, exemple, une femme qui est célibataire, qui se trouve pas un homme, puis là, elle a un sentiment de chagrin, il y a pas d'homme qui l'intéresse à elle, mais elle va comme poster sa, comme, pas sa frustration, mais c'est qu'elle est joyeuse, mais au fond d'elle, elle est pas joyeuse. Elle est pas. Et des fois, t'as la pression sociale, hein? T'as rendu un certain âge, t'es pas marié, t'as pas d'enfant, tu t'auto-blâmes. De... Ouais. Et voilà. Puis t'as déjà été dans des mauvaises expériences avant. Là. Et puis, voilà. Puis moi, un point que j'aimerais revenir, parce que comme je l'ai quand même vu ou vécu, c'est, si tu veux, comme pas les gangs de rue automatiquement, mais les rassemblements de jeunes, c'est l'appartenance souvent d'une certaine souffrance. Tu vois le dire? C'est souvent comme t'as vécu struggle, j'ai vécu struggle, sauf toi et moi, on peut être amis. Tu vois, on peut être ensemble. Puis pour justement soulever ce struggle-là. Exact. Puis moi, ce que j'aime de le fait qu'il y a une marque de vêtements derrière, il y a des vêtements derrière, c'est que tu as l'effet d'appartenance. Et voilà. Quand tu portes ce chandail-là ou quand tu portes le pantalon, ou tout, c'est que tu viens et tu te mets un pied à terre en disant comme « Je dénonce et j'accepte ce que j'ai vécu, comme j'accepte que c'est arrivé, mais j'accepte pas de souffrir à travers. » Tu vois ce que je veux dire? Et voilà. Ce que j'aime l'idée de ça, c'est que c'est ça, c'est un, tu le portes fièrement, et tu vas attirer d'autres personnes dans ce groupe-là. Mais c'est comme FUBU, for us, by us. By us, exactement. Puis eux, quand même, tu vois, eux, quand ils l'ont fait, oui, ça a été comme... Mais tu vois, en même temps, nous, notre vision, on veut justement pas que ça aille justement dans cette voie-là. On veut toucher tout le monde. Okay. Alors, lorsqu'il a lancé le for us, by us, oui, c'était... Mais c'était puissant, puis ça a marché. Ça a marché, mais est-ce que ça a marché à long terme? Ouais. Non. Moi, ce que j'aime de ce que tu dis en ce moment, c'est une réalité que... Parce que moi, je suis né ici, OK? Donc, je peux pas toujours comprendre ce que les autres personnes vivent, comme c'est une nouvelle langue, une nouvelle nourriture, un nouveau climat. Par contre, ce que j'ai toujours dit, c'est qu'au moment où tu te fermes, genre, les Latinos, on va chill juste avec les Latinos, tu refais ce que les autres font à d'autres personnes. Tu vois ce que je veux dire? Tu recommences cette chaîne de juste avec nous. Exactement. Et tu mets des barrières. Mais c'est pour ça que nous autres ici, on est fiers que, tu sais, n'importe qui va venir n'importe ici. N'importe qui. Il n'y a pas, de couleur vraiment à notre channel. Notre équipe est toute variée, diversifiée dans toutes sortes de cultures. Mais c'est nice. Est-ce que c'est moi? Moi, je ne veux pas non plus avoir cette pensée-là, mais moi, j'ai toujours dit, mes parents m'ont toujours dit, Ralph, ne ferme aucune porte. Exact. Il ne faut pas brûler les ponts. Non. À moins que la personne te fasse vraiment planter un couteau dans le dos, là, mais... Faut pas brûler les ponts, faut juste les fermer. Au pire, je l'ouvrirai quand j'en aurai besoin après. Et puis d'adieu. I don't know. Biz. Hey Ralph, merci beaucoup. Hey, ça fait vraiment plaisir, boys, guys. Yo, continuez votre bon travail, guys. Yes, love it. Sure. Moi, je vais aller voir le site web. Garçon Entertainment, baby. Oui, allez-y. Ouais, moi, je vais checker ça. Ouais, le site web, c'est belgarçonclothing.com. BelGarconClothing.com. Clouding, CLOUTHING.com. And we in, baby. And be that's cool. It. All right, all it's right, all right. It's a lovely day to have a lovely day. Yellow Sea Podcast, baby. All right, all right. Woo!